Nathalie s'est entretenue avec Anne Gauvin-Forêt de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles pour vous parler des bacs bruns. Anne, tu es responsable d'instaurer les bacs bruns dans les commerces ici dans la Matapédia. Est-ce que tu peux me dire combien de commerces tu as pu couvrir là, depuis que tu es ici? D'après moi, dans la Matapédia, je dois être rendue à peu près une quarantaine. Là. On devait avoir une liste, je pense, de 50-60. Puis, dans le fond, j'ai pas encore contacté les commerces saisonniers parce qu'ils sont pas encore dans leur début d'activité. Mais j'ai fait le tour pas mal. Là. J'ai pas mal touché la majorité de ceux-là que j'avais à faire dans ma liste. Là. Et dis-moi, quelle est ton approche pour les commerces? Parce qu'il faut quand même y aller délicatement. Mais dans le fond, j'ai commencé par aller carrément cogner à la porte, là, surtout restauration puis épicerie. T'sais, ils sont déjà plus habitués à faire face à des imprévus. Fait que dans le fond, j'allais sur place puis je demandais de parler à la personne responsable, là, peut-être d'intégrer la collecte des matières organiques. Puis souvent, ça se passait bien. Je demandais s'il y avait un petit 15 minutes à m'accorder. Là. La première rencontre n'est pas super longue. Là. Dans le fond, on jase un peu de... Ben, ça dépend un peu des questions des gens, là, mais souvent, on fait le tour de quel endroit peut générer des matières organiques dans leur commerce, puis quelle quantité. Parce que l'idée, c'est ça, comme je leur explique, là, la première visite, c'est plus de collecter de l'information pour comme arrimer une collecte là, à grandeur du territoire qui ferait du sens. Puis, par contre, pour les commerces qui sont plus comme garderies, maisons de retraite, là, j'ai plus opté par prendre rendez-vous parce que souvent, ils ont... Je trouvais ça moins approprié de me pointer. Pour parler à la bonne personne, là, je prenais rendez-vous d'avance. Là. Et quel est ton taux de réussite jusqu'à maintenant? Est-ce que tu peux dire, bon, bien, vraiment, dans certains commerces, là, ça va s'implanter assez facilement? Je dirais la majorité, là, ils avaient l'air pas mal prêts. Là. Même moi, je m'attendais à avoir plus de gens moins partants. Là. Mais la majorité sont rendus là. Ils le font à la maison, ils ont été avertis par lettre que j'allais passer éventuellement. Fait que la majorité, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des petits accrochages au niveau des fois de la logistique, puis le manque de main-d'œuvre sort, puis les gens pensent que ça va rajouter peut-être de la lourdeur aux tâches de leur employé en place. Là. Mais dans le fond, à force de jaser, souvent on se rend compte que c'est pas beaucoup plus compliqué de mettre les choses dans une poubelle ou dans l'autre. Puis en parlant là, de comment on peut faire, là, ça... souvent j'ai vraiment une belle ouverture. Je suis vraiment contente. Oui. Et en pourcentage, mettons, là, qu'est-ce qui peut être détourné des ordures en faisant du compostage comme ça pour les commerces? Ouais. Eh bien, au niveau commercial, là, on peut comparer peut-être avec la Gaspésie qui est plus ou moins similaire à ici. Eux, ils se sont rendus compte que c'était 50 % des déchets des commerces qui étaient finalement de la matière organique. Fait que dans le fond, c'est quand même un très grand pourcentage là, qu'on peut détourner de l'enfouissement. Et puis, tu n'as pas terminé. Alors, je te souhaite une bonne continuité dans tout ça. Et puis, c'est vraiment valorisant pour la Matapédia. Merci beaucoup.